Bonjour ma Suzu. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi tout le monde. Tracy Royer est où? Ma Tracy. Bonjour ma Suzu. Oh. Bonjour ma Tracy. Oh. T'es où? Ouais. Elle est signalement. Ma Tracy Royer. Non, bah si, je suis de retour. Hein? Que la tontine Marcel nous dit ce qu'elle nous veut. Tu nous veux quoi? Vous, les intellectuels, là, vous cherchez souvent quoi derrière les... Hein? Ça fait deux fois déjà, la tontine Marcel. Deux fois. Et la deuxième fois, je ne laisse pas passer. Ça fait deux fois déjà. Tu nous indexes dans tes lives. Hein? Tu nous cherches avec la torche et les lacs avec les clous dans vos lives. On vous doit quoi? Hein? Ma Juju et moi, on est tranquille. On ne te gère pas la tontinade. Je ne sais pas d'où que tu sors. Hein? Bizarre parce que je croyais que tu étais une grande femme, mais je me rends compte que tu aussi tu es dans la bassesse. Je pensais que tu étais une grande femme. Je croyais que tu étais une grande femme. Ouais. Respecte. Parce que la tontine Marcel, ça fait deux fois déjà que tu nous traites. Et ton de Luce et moi dans vos lives. Pourtant, nous, on ne vous gère pas. Hein. Tu fais comme tu veux, mais tu nous laisses en paix. Ne nous appelez pas, ne nous taguez pas. Tu nous tagues pourquoi? Tu dis que c'est bon à toi. Déjà, le premier, je ne sais pas. Tu as d'abord dit que Eton de Luce et Mirabel allez chercher vos relations au-dessus. Quand tu me regardes à tontine Marcel, malgré que je suis illettrée, tête percée, je ressemble à une femme qui s'introduit dans les relations des gens. Est-ce que je ressemble à une femme qui s'introduit dans les relations des gens? Je suis tête percée, je suis illettrée, mais je suis sûre de moi, ma tontinade. Je suis sûre de moi. Donc quand tu dis que allez chercher vos relations, machin, ceci, cela. Tu pensais que j'ai besoin des relations de Facebook pour pouvoir exister? Je n'ai pas besoin des relations de Facebook et je n'existe pas à travers les relations de Facebook. Quand tu m'indexes, va regarder tes lèvres, ne m'indexe pas, n'indexe pas les tons de luce. Il n'y a pas un problème entre toi et moi ou bien avec la Juju. Franchement, moi, je te respectais. Hein. Je te prenais pour... Mais je me rends compte que non, que tu es dans la bassesse. Je te prenais comme une grande femme, avec tout ce que tu as donné dans la lutte, là, ma tontinade. Mais je me rends compte que non, malgré... Vous dites que vous êtes... Hein, il y a les études à l'école. Je suis une tête percée, hein. Je suis une tête percée et j'assume. Ma Juju aussi assume. Donc, quand tu es intellectuel là-bas, ma tontinade, ne viens pas chercher les têtes percées. Parce que la tête percée que je suis, toi et moi, on va seulement aller dans la boue. On va seulement aller dans la boue. Tant que tu vas nous prononcer dans tes trucs-là, je vais toujours sortir sur toi. Si tu sais, dépose-nous tranquillement. Tu quittes sur notre chemin. Ah, bon, salut, fort de l'Est. Nous devons tous vous épouser, les filles, si vous avez déjà trop de problèmes entre vous. Mais attends, on n'a pas les mêmes gars. Je ne sais pas ce qui se passe.
Si on a un gars en commun à ton antenne, dis-nous. Si on fait déjà un ménage, toi, moi, la luxueuse quelque part, dis-nous. Fais-moi comprendre qu'on a un gars en commun. Là, on va comprendre pourquoi tu nous attaques, tu nous accuses, je ne sais pas quoi. Mais malheureusement, je m'intéresse pas aux hommes mariés. Je m'intéresse pas aux hommes mariés. Donc, il dit, je ne prends pas les relations des gens, ni d'amitié. Je m'introduis jamais dans les vies des gens, ni même dans la vie intime de quelqu'un. Alors, qui dit homme ou bien relation, amitié entre femmes, je m'introduis non plus. Ouais, laissez ma Juju. Ma Juju souffre, il y a trop. Bonjour la reine mère. Bonjour la reine mère, la reine mère. Seigneur. Ma reine mère. Bonjour la reine mère. Bonjour ma fiancée, Seigneur. Ça fait deux fois que la tontine nous traite malicieusement dans les lives. Et j'ai dit là aujourd'hui, là, depuis que je me suis réveillée, depuis 4, je dors. J'ai dormi quand il était minuit. Depuis 4 heures, je suis réveillée. À 4 h 30, je suis sortie du lit pour aller me doucher. Comme tu dis qu'on nous a lavé. À Tontinade, je me lave deux fois par jour. Deux. 4 h 30 là. Et le soir, ce soir, avant d'aller au lit, je vais me laver encore. Tu comprends ça? Donc, comme tu dis qu'on nous a lavé, c'était bon à toi. Je veux aussi te laver aujourd'hui, ça sera bon à toi. D'accord? J'ai dit que quand tu dis que vous êtes intellectuel là, ne venez pas vous mesurer avec les têtes percées comme moi. Ne venez pas. Parce qu'une tête percée comme moi, je n'ai pas honte. Je te fais honte quand je veux, comme je veux. Je n'ai pas honte. Donc, entre vous les intellectuels, restez là-bas. Restez là-bas. Et les intellectuels ne jacassent pas sur Facebook. Je leur ai dit, les femmes intellectuelles ne jacassent pas sur Facebook. Les femmes intellectuelles qui sont bien faites là, dans leur tête, qui ont peut-être le niveau master, maîtrise, ou bien doctorat, ne jacassent pas. Ou bien n'insultent pas les autres, n'insultent pas les autres femmes. Quand on a fait les études, quelqu'un qui est intellectuellement posé n'insulte pas les autres. Parce que ce n'est pas ce qu'on lui apprend à l'école. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on vous apprend à l'école, de venir insulter les gens. Donc, tu nous déposes malicieusement, tranquillement. Tu nous laisses. On ne te doit rien, la tontinade. Toi et moi, on ne se connaît pas. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Je ne veux même pas savoir. Tu dois être une magnifique belle femme, ça c'est sûr. Mais, de grâce, dépose-nous. Tu nous laisses en paix. Chacun gère son couloir. Facebook, c'est un grand pays, un continent même. Mais chacun gère son côté. Je t'ai dit aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on n'a pas la capacité de répondre. C'est parce que, bon, voilà, je trouve tout ça, c'est la bassesse, la bêtise. C'est la bêtise. Tu comprends ça, la tontinade? C'est dommage que tu tombes dans le poteau-poteau avec moi. Avec nous. Tu tombes dans le poteau-poteau. Tu viens tomber dans le poteau-poteau. Un poteau-poteau qui t'intéresse. Et ton élu, c'est Mirabelle. Et ton élu, c'est Mirabelle. Et ton élu. Donc, la tension t'empêche de dormir. On t'empêche de dormir. Allez construire vos relations. Ok. Donc, il y a les relations à construire ici sur Facebook. Je ne savais pas qu'il y avait les relations à construire sur Facebook. En tout cas, moi, je n'insulte personne à cause de Samy. Hein. Je n'insulte personne. D'accord? Je n'insulte personne. Je réponds seulement à la tontine à Marcel.
qu'elle nous dépose. Qu'elle part dans ces choses, dans ces marches, qu'elle nous dépose. Je ne veux pas les problèmes avec qui que ce soit. Moi, je suis une tête percée, il est très, j'assume. J'assume. Propre, et je n'ai pas honte. Alors, la tontine, si toi, tu es instruite là, reste là-bas. Ne nous prononce plus. Ne nous prononce plus. Va dans tes marches. Et tu nous laisses en paix. Nous aussi, on vague dans nos marches. On n'est pas devenu vos brosses à dents. Hein? Moi, je suis étonnée de lui. Moi, on n'est pas ta brosse à dents. Tu pars, t'assois, tu écris. Mais ça vous prend souvent par où? Tu penses parce qu'on ne pleure pas sur Facebook, on n'a pas les choses à dire, mais on n'est pas là pour ça. On s'en fout. Nous, on a tourné la page, on a tourné. On suit le chemin qu'on suit. Mais on ne te gère pas la tontine. Tu es là, tu arrives quelque part. Bah, tu mets le nom. Le temps de le Seigneur avait. Apprenez ceci. On a volé quoi à qui? Hein? J'ai pris le gars de qui ici sur Facebook? J'ai pris le gars de qui ici sur Facebook? La Lucieuse a pris le gars de qui ici sur Facebook? Je suis une tête percée. Mais je me lève à 4 heures, je vais chercher mon pain quotidien. Je me lève à 4 heures, là, comme tu as commencé, j'ai commencé à poster le matin, là, j'étais déjà propre. J'étais déjà propre, parfumée. Oui, pour aller au boulot. J'étais déjà propre. Oui. Et mon dernier bain que j'ai pris dans la nuit, là, à 4h30, j'ai repris une douche. Ce soir, encore avant d'aller au lit, je vais reprendre une douche. Donc, je me lave, on se lave deux fois. Regarde, je suis propre. Je suis mon corps là. Voilà, je suis propre. Apprenez, on vous a lavé là. Vous n'aimez pas le respect, hein? Je vois vraiment que vous n'aimez pas le respect. Quand on vous respecte sur Facebook, vous pensez que vous avez le monopole de tout. Vous n'aimez pas le respect. Apprenez à vous respecter. Moi, je me respecte. Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Et là, comment je te manque le respect? Parce que c'est toi qui m'as donné l'occasion de te manquer le respect. Et je vais te manquer. À chaque fois que tu vas prononcer mon nom, je vais te manquer le respect. Je vais te manquer que ma tête, il n'y a rien. C'est l'eau. Oui. C'est l'eau qui a l'eau de Kribi. L'eau de l'océan qui a dit, il n'y a rien. Tant que tu vas prononcer mon nom, que tu pars t'asseoir quelque part, tu écris, et ton Dieu c'est Mirabel. Et ton, comme c'est toi qui nous avais donné les noms. Et ton Dieu c'est Mirabel. Tu peux toujours nous prononcer. Attends. Il a dit que je ne laisse, tu me prononces encore, je viens, je te réponds. Trop, c'est trop. Oui, je ne parle pas beaucoup. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes. Et je ne parle pas beaucoup. Voilà. Et quand je sais que j'ai raison, la raison me donne le pouvoir et la force, comme je te parle là. Donc je te parle, je vais te parler comme une merde. Parce que tu m'as donné la raison et la force de le faire. Bonjour tout le monde. Bonjour Prézi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quand on va se marier avec qui? Paul veut nous épouser. Ah. 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 Il y a déjà des problèmes déjà comme ça là. Si tu dis encore que tu viens épouser, mais on va seulement nous tuer. On va seulement nous tuer. Hein? Il a dit que je suis illettré. Mais le potentiel que Dieu m'a donné là, hein? Regarde, regarde, voilà. Et je sors avec. Je gère. C'est moi qui parle. Mec.
Bonjour. Qui t'a énervé ce matin? Ouais, Auguste. Salut. Bonjour. Comment va la température au pays? Oui, je t'écoute. Tu m'écoutes? Oui. Ah, ouais, je suis à quel heure? On a une tortillade là. Qui nous indexe dans ces marches. Il n'y a rien. À un moment donné, il y a un ras-le-bol. Parce que tu gardes ton silence et les gens se croient tout permis. Ah. Attends. On nous a dit que ma grosse langue là ne peut pas répondre. Parfois, il faut. Parfois, il faut garder le silence. Je garde le silence, non. Mais le problème, c'est qu'à force de garder, elles croient qu'elles sont trop importantes. Oui. Je suis pas là à l'école, mais je suis fière. Parfois, mes fesses, quand mon gars s'embrouille, là, il va comment. Je sais que je peux me l'aider. Je tourne d'abord, je le laisse d'abord. Pourtant, il y a là à l'école. Hein. C'est quand il y a qu'on fait comme ça. Il dit que, ouais, depuis là, tu me vois, il souffre, là, tu m'aides. Oui, il dit, moi, je suis peut-être vexée. Hein. Mais une soulée, c'est avec vos diplômes. Posez vos diplômes, là, on voit. Posez vos diplômes. Celle qui a le doctorat, la pose. Là, je vais dire que tu instruis. Ramenez vos doctorats, là, vous posez. C'est ça, hein? La vie ne se limite pas sur les diplômes. Vous allez me dire, je suis instruite. Instruite, c'est dans la bouche, sans voir les diplômes. La vie ne se limite pas dans les diplômes. La littérature, la lit. Jusqu'à mon cerveau, je commence à parler français comme quelqu'un qui est instruite. Hein? L'école, c'est quoi? C'est que la lecture. La lecture. Si tu veux t'améliorer, c'est la lecture. Je t'ai dit. Ok, j'ai voulu juste te saluer. Oui, bonjour, mon grand. Salut. Ça se passe comment là-bas avec OTS ça? Non, ça va. Les enfants sont. Ils se portent très bien. Bon. Ok, tu sais que les mégas au Cameroun, c'est de la jungle. Les mégas au Cameroun, c'est la jungle. Oui, c'est la jungle. Donc, je veux te laisser. Bonne journée. Bonne journée. Moi, j'ai fini ma journée. Ah. J'ai commencé tôt. Ma journée, donc maintenant, elle peut me discuter jusqu'au lendemain matin. Maintenant, on peut me lancer un suite pour le lendemain matin. Ah, ok. Profite-toi bien et tu te reposes bien aussi. Oui, je vais me reposer en plus. Je vais me reposer. T'inquiète pas, je vais me reposer. Ok. Ok. Voilà. Voilà. À l'école, hein. Mais j'ai éduqué mes enfants. Non. Mes enfants sont éduqués. C'est la meilleure des choses. Je ne suis pas allée à l'école. Oui. J'ai éduqué mes enfants. Voilà. Je te dis. Quand je parle, vous entendez un enfant, pourtant j'en ai, hein, parce que j'ai éduqué. Je te dis. Oui, j'ai éduqué. Ok. Quand je parle, ma fille ne peut pas venir m'interrompre. Ok, garde tes mégas pour demain. Demain, on va faire un live. Ok, bon. Ok, à demain. Bon après-midi. D'accord, ciao. À demain. Bye. Bye. Tu veux que je descende? Ok. Paul de Vers, lui, va seulement organiser. Il va organiser les mariages. Papa. Moi, je vais parler d'avoir 5 gars. Oui,
Cinq gars, je vais d'abord gérer cinq. mon point préféré. Il y a un point de cinq. Voilà. Ouais. Et donc, la vie se bien, allez chercher vos relations. Allez chercher vos, allez construire vos relations. Relations, mais biches. Comme si on avait besoin. Quand tu nous vois, on est les crèves, la femme. Ouais. Tu n'es pas venu sur Facebook pour créer les relations, hein. Tu es là pour la lutte. Et je me limite qu'à la lutte. Voilà. Je suis pas là pour dire gna 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 tu vas gâter qu'un mariage encore. Mon pauvre préféré, tu vas gâter ce mariage encore. Qui va se marier? Qui va se marier? La relation me bute mon couple. Oui, non? La reine m'a dit que Paul le reste bouffe. Vas-y, la belle-mère dehors. La belle-mère de quelqu'un. On insulte la belle-mère des gens. Ok. Je n'ai pas fait l'école, mes enfants, mais mes enfants ont fait l'école à la place. D'accord? Comme si quand le gars m'a écrit le message, c'est toi la tontine qui vient souvent répondre. Oui. C'est vous qui venez souvent répondre mes messages. Ou bien de lui, non, je ne veux pas. Ne venez plus répondre. Venez plus. Ne calcule pas. Adobe ne veut à la tontinade. Il lui revient son femme. Il vient son femme. Mais attends, la reine, mais comment c'est bizarre? C'est bon. Est bizarre? On sort pour faire le combat. Il y a d'autres gens, il y a d'autres combattants qui sont là pour combattre. C'est comment? Ah, coucou, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis sortie pour dire à la tontine que si on ne répond pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de parler. Hein. Moi, je suis quelqu'un déjà humble. Je ne suis pas une victime de qui que ce soit. Donc, tu ne me verras pas venir pleurer ici. Parce que je sais me défendre. Je sais me défendre. Je sais me défendre. Va ton live, tu regardes ton live, si ça te plaît, tu gardes tes commentaires pour toi. Tu gardes tes commentaires pour toi. Les gens ne t'ont jamais rien fait. Je ne pense même pas que moi, c'est déjà dit un mot à travers un jour la tontinade. Même dans les lives, quand on se croise souvent dans les lives. Mais du jour au lendemain, tu te lèves, tu commences à nous parler comme si on t'avait tué quelqu'un. Tu nous reproches quoi? Tu nous reproches quoi? Ou bien c'est simplement le aide-moi à détester ce que tu es en train de faire. Tu sais, aide-moi à détester, tu es dans la bassesse. J'ai dit que je redis dans ce combat. Je réitère mes mots. Il faut les psychologues. On est nombreux à être folles. Je le dis.
Et nous est nombreux à être fous. Je le dis et je redis et j'assume. J'assume. Parce que quand vous allez voir certaines mettre les caleçons sur la tête, au lieu de mettre le caleçon dans les fesses, c'est là où vous allez confirmer. Vous allez confirmer. C'est que je suis en train de vous dire qu'il faut les psychologues. Dans le combat, si, il faut les psychologues. Ta rêve est le volcan, hein? Ouais, là-bas, le fiancé de 1500 euros, là. Hey, mon port préféré, la banque de fiancé de 1500 euros, là. De 300 que tu as que les camoufler, là. Parce que tu mets toujours 1200 euros. Moi, je sais que la banque, elle a coûté 1500 euros. Parce que les 300 que tu as que les camoufler, là, tu manques. Moi, j'ai arrondi à 1500 euros. Donc, voilà. Voilà dans ma tête percée que je suis. N'allez pas accuser ma juge. Ma juge n'est pas là dans mon live. Parce qu'elle est votre moins cher. Elle est votre papa. Et c'est ma juge en paix. Et c'est la tonne de lui respirer. Donc, la tontinelle laisse la lucieuse en paix. Voilà. Elle n'a rien fait. C'est toi qui nous as cherché. Si tu ne prononçais pas nos noms, je n'allais jamais sortir. Mais deux fois. Voilà. Donc, je sors pour te dire que la troisième fois, je serai derrière toi. Ah, Poupou, n'est pas mal. N'est pas mal, c'est comme ça. N'est pas mal, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Parce que les gens sont là, comme nous, on se prend de pleurer. Moi, je n'ai pas besoin de pleurer. Hein. Je ne suis pas une pleurnicheuse, quoi. Pourtant, j'étais un enfant très gâté par mes grands-parents. Hein. Madame Caprice, je m'appelle Madame Caprice. Hein. Je suis Madame Caprice. Ouais, mes grands-parents, ils n'avaient pas grand-chose, mais tout ce qu'ils avaient, c'était pour moi. Eh hein. Oui! Parce qu'à la fin, je suis restée avec mes grands-parents à côté. J'étais comme là, je suis restée, ma petite soeur est partie. Moi, je suis restée avec mes grands-parents. Donc, j'ai grandi là-bas comme une fille unique. Donc, imaginez tout ce que. Enfin, les grands-parents. Oui. Qui repose en paix. Donc, vos choses que vous faites aux gens, là, regardez souvent les gens bien dans les yeux avant de commencer. Tu me commences, je te laisse commencer. Mais quand moi, c'est fini, ça sera la totale. Ça sera la totale. Je ne donne jamais le coup en premier, mais je donne le coup fatal. Donc, faites attention aux gens qui ne parlent pas. Faites très attention. Moi, je suis pas, je peux pas venir là. C'est pas mon truc. Je te laisse faire. Et après, je te donne le coup fatal. Oui. J'ai fini, maman. Poupou, j'ai fini. Et voilà quoi. Maintenant, je quitte, je tourne même la page. Voilà, j'ai fini. Bon, les gens. Ouais, je suis fatiguée, non? Ouais, est-ce que je vais aller dormir? Ouais, qui veut taper les commentaires avec moi? Ma Juju, tu es revenu, on tape les commentaires. Pardon, ne mettez pas là, je suis ma Juju. Hein. Je ferme la partie, j'ai fermé la partie dans ma poupe. J'ai fermé déjà. Bon, on dit qu'on se marie alors avec qui? Bon, de l'Est. On se marie avec qui? Qui veut m'épouser alors? Ouais. Qui va alors épouser une personne comme moi? Qui veut bien m'épouser? Ah, bah, ça, je cherche, il y a des problèmes sur Facebook. Qui va m'épouser? Oh? Alors, la reine, mais t'as pas un frère qui veut m'épouser?
Rien m'a dit que la déjà le buzz que Baba déjà là. En tout cas, c'est ça tu dis petit comme ça la reine mère. Maman, c'était bon, c'est bon jusqu'à moi, jusqu'à ouais, c'est bon à moi, c'est bon à moi jusqu'à. Tu n'as même pas l'idée la reine mère. C'est bon. J'ai dit si je pouvais même pas mon pied, j'allais pas mon pied. C'était tellement bon à moi. Oui. Jusqu'à. Oui. Non, je pense même qu'ils me font une petite coupe de champagne pour. Voilà. C'est bon à moi jusqu'à. Oui, ma poule, t'inquiète. 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 Comport de l'Ouest. Hey, aïe, 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 aïe. Alors, elle m'a dit qu'elle m'a trouvé un bon gars qu'elle m'a acheté la bague de 3 000 euros. Parce que Paul, lui, il achète la bague de 1 500 euros. Moi, je veux la bague de 3 000 euros. C'est grave, c'est grave. Depuis quand je lui dis que j'ai une tête percée, la reine, mais comme ça, la vie m'a dit que, hey, le gens qui donnent les bons des têtes là, parce qu'on ne pourra pas se mesurer des bics dans la maison. Aïe. En tout cas. Si je vois mon imbel là, tu vas fuir. Je suis belle. Et je confirme, je suis belle. Ouais. Quand on sort tous nos photos, il y a que 10 ans là, ou 20 ans là, vous allez confirmer. C'est pas parce que je n'ai plus de petits rondeurs. Ceux qui me connaissent là, savent que je suis une sportive. Quand ça va, je vais prendre garde, je commence à courir là. Ça part. C'est parce que bon, mon état physique ne me permet pas encore de courir. Je ne peux pas encore courir. Quand? Je l'ai fait. Regarde. Hein? Quel est l'homme qui peut dire non là? Hein? Vous-même, dites-moi. J'ai les lèvres pulpeuses. J'ai les yeux qui vont avec. J'ai la peau. Belle, hein? C'est encore mieux même physiquement. Là, c'est encore, quand tu me vois encore physiquement, c'est encore mieux. Oui, ouais, c'est encore mieux. Là, de chez est là. Je suis là. Les anges de chez sont là. Elle m'irait dans la beauté. Voilà, la sirène. Moi, je suis pas, je suis la sirène. En passant, je suis cribienne. Hein? Mon acte de naissance a cribé mon cordon, c'est à bas. Voilà. C'est là-bas. C'est là-bas. Quand tu me cherches, c'est là-bas que tu dois aller me chercher. On a enterré. Voilà, mon. C'est là-bas. Donc, ceux qui m'ont connue très quand j'étais toute gamine savent que oui. La reine, bon boulot. Et puis, est animée. Hein, la reine, et puis, est animée. Animation de ça. Oui. On vous dit que rien. Voilà. Avant que l'on va venir demander
mon cursus scolaire. Il va d'abord regarder les formes que j'ai. Pardon, quand vous mourrez, ne laissez pas les diplômes. Allez donner les diplômes à Dieu quand vous allez partir. Ne laissez pas les diplômes sur la terre. Allez dire à Dieu que je suis intellectuel. Comme ça, il va voir comment Dieu va vous refuser que moi j'entre au paradis. Parce que je ne suis pas intellectuel. Bonsoir, Mayung. Ah, bonsoir, Masso. Oui. Je vais voir comment je n'irai pas au paradis. On va voir. Si j'arrive au paradis avant vous tous, vous allez lire avec moi. Parce que si vous ne sortez pas vos doctorats là. Si vous ne sortez pas vos doctorats là, vous ne pourrez pas sortir au paradis. Voilà, je vous dis déjà. Ouais, ma reine, mais tu as raison. Il faut les prendre jeunes comme le coprési. Il faut les prendre jeunes. Le coma bijou, est-ce que mon coma bijou joue? Elle nous a montré l'exemple. Il faut les prendre jeunes. Mais dommage que moi, j'aime pas les hommes jeunes, moi. J'aime les hommes mûrs. Il faut que l'homme me dépasse au moins 15 ans. 15, 20 ans. Voilà. Sinon, les gens de ma génération, je ne les supporte pas. Je ne supporte pas. J'aime les hommes posés, réfléchis. Est-ce que j'aime ça, non? Ok. La chaleur nous rend dingue. La chaleur est dans fou. On dit Zamba. On va faire comme ça, ok, la monopose qui nous met là. Pardon, moi je dis, moi j'ai fini avec ça, je suis moi paix. Ah, moi ça vient, laisse là-bas. Il fait chaud. Heureusement que ma juge n'est pas là. Ma juge, je veux pas te voir, je veux pas voir ta tête ici là. Parce que quand on va voir ta tête ici, je n'entre pas ici aujourd'hui. Je laisse là-bas dehors. Oui, non, la bouche, c'est pour les personnes de troisième âge. Si tu n'as pas 50 ans là, n'espère pas. Comme moi, monsieur, d'abord jeune. Si tu n'as pas 50 ans, n'espère pas. Tous les vieux pervers de Facebook vont se pointer. C'est les hommes, non? Les hommes, je ne peux pas à partir de 50 ans. C'est là où tu vois la beauté de l'homme. Et c'est là où c'est excitant. L'homme est beau à 50 ans. C'est là la beauté de l'homme éclore, surtout celui qui se prend soin de lui. Ah, mon fini. Oh, zut alors. N'est-ce que j'avais, ne pleure pas. Sabine, quand l'homme a franchi la cinquantaine, oh, ça me tient le goût de l'homme. Surtout quand il se prend soin de lui. Oh là 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 là. Tu dis comme ça, tu dis que, hey,
Hey, c'est quand même que j'avais à tout vu, ben non. Ça dit, c'est moi alors, est-ce que c'est moi alors? Est-ce que c'est moi qui fais? C'est pas moi qui dis que l'homme soit bon à partir de 50 ans. C'est comme nous les femmes. Je veux te dire une chose. Les hommes qui m'ont connue quand j'avais la vingtaine, tu sais ce qu'elle me dit? Il dit que tu nous avais trompés, que tu étais belle. C'est maintenant même que tu es alors belle. C'est maintenant à l'âge que tu es là que tu es alors belle. Avant, on pensait que tu étais belle. C'est comme certains hommes, elles vont te dire qu'elles aiment bien ils aiment bien les femmes à partir de la quarantaine, que la femme est belle à partir de la quarantaine. Ah, je te jure, oh là 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 là, Guizon, oh là 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 là, tu fonds comme une glace. Je dis quand les cheveux gris là, tu vois. Ah, là, tu fonds comme une glace. Ouais, tu vois la beauté de l'homme, pas les petits corps là qui sont là. Lui aussi, c'est dit qu'il est l'homme. Un petit coq. Ils sont nerveux, les jeunes coqs là. Les jeunes coqs là. Ils sont nerveux. Les jeunes corps de ma trente, tu vois, de mon âge là. Ton nom est gâteau au village. Laisse moi ça dans mes commentaires, les gars. C'est quoi? Vas-y, je monte alors, tu viens faire des commentaires, les gars, maintenant. Ouais, Sabine est d'accord avec moi. Quand elle est encore un peu légère, quand elle est encore élégante là, il fait souvent quand je suis là, je lance un coup d'œil là, je ris dans mon cœur, je dis hey! Je regarde. Attends, tu fais le comment ça va stabiliser. Aujourd'hui, j'étais quelque part dans un bureau là-bas. Donc, j'étais quelque part, je fais le comment ça. Donc, les gars, je vois les gars débarquer dans leur bureau. Je dis, mais vous faites quoi, les gars? Ils disent que non, on est trop énervés. Je dis, qu'est-ce que vous commencez à énerver? Tellement qu'ils ont vu les filles. Tu sais que c'est la maison M là. Maison, je sens que la fille a tout. Tous les matins, les gars vont se placer à la cour, là, ils matent des filles. Il y a les, tu vois, il y a ceux qui sont là-bas, ceux qui sont administratifs, tout ça là, machin, DH, tout ça là. Donc, les gars, il y a là, ils disent que non. Les gars me disent, ils commencent à me dire, à tel étage, il y a une fille comme ça. Je Je la préférée de l'autre, dit comment ça? Après, quand je suis au service visite, non. Il dit qu'il y a une qui parle souvent, il dit oui, comme ça, qui parle au russe, machin, ceci, cela. Il dit que, ah bon? Donc, chacune me sort, il dit que, merde, donc vous êtes tous en couple, s'il y a comment qui n'est pas en couple ici? Non? Ils sont tous en couple dans leur tête. Je dis, merde, les gars! Donc, il y a comment qui n'est pas en couple dans cette maison hein, de 20 ans. Si. Il dit, ah bon, ça c'est pas bon ça. Sabine, laisse-la, non. Laisse ça pleurer là-bas. Laisse-moi juste pleurer. Bon, les gars, il fait le commentaire. Moi, il m'avait dormi.
Comment je vais aller dormir? Quand je vais dormir, je baisse tous mes trucs, je dors. Tout est silencieux, je dors. Là, il est même quelle heure, je regarde l'heure. Et putain, les 16 heures. Oh là 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 là, je vais couper le live. D'accord, je vais aller faire dodo. D'abord, les gens. Ben, je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on a bien rigolé, hein. Ah, voilà mon chéri Dallas. Oh, coucou, je vais encore rester un peu. Mon doudou Dallas est arrivé. Mon chéri Dallas. Dallas. Bonjour, Manel. Bonjour, ma personne. D'ailleurs, les gars se lancent d'avoir les yeux, ma Sabine. Elle dit qu'ils étaient tous énervés. Et c'est comme ça là-bas, hein. Tu sais que c'est la maison M, non? La maison Champagne M, je te jure là. Donc, les matins là, ils ont une certaine heure là, ils vont à la cour là boire le café. C'est magique. Ceux qui connaissent la cour là, parce que hier j'étais assise à la cour là, ils viennent là. Donc, celle qui commence à 9h, 10h, elle commence à entrer. Elle commence à entrer. Tu vois, elle est mini juste comme c'était l'été. Elle est... Moi-même, avant, hein, quand c'est comme ça, hein, comme je conjoins, j'ai des amis, quand ils arrivent là-bas. Bon, ça, c'est les gars des caves, non? Ils sont, voilà, quand ils remontent. Donc, parfois, quand c'est chiant, ils disent que, merde, vous avez les jolies jambes comme ça, et vous cachez ça. Moi-même, j'ai rincé les yeux bien. C'est tout. Quand il met les choses, j'aime bien quand on met les petits shorts là, avec les mocassins là, quand c'est des belles jambes, parce que j'adore les belles jambes, les hommes avec les belles jambes. Regarde, je parle, les gars, et tout, ils m'appellent vicieuse. J'ai dit, ben, si vous avez le droit de nous mater, moi aussi j'ai le droit de vous mater. Ah oui, on se rince les yeux, quoi. On se rince les yeux. Là, à la maison, là, c'est toi qui choisis. Si tu veux tamponner, tu tamponnes. Mais comme moi, je suis déjà, quand je travaille quelque part, j'aime pas, j'ai horreur de ça. J'aime quand je suis quelque part, je marche tête haute. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je fais quoi par les gars là-bas? Moi, j'ai tête haute. Et j'aime quand je parle, je te fixe les doigts dans les yeux comme ça. Bon, ils me disent pas que, hey, il y a quoi? Aïe. Bon, les gars, maintenant j'ai fini de faire le commissaire avec vous. D'accord? Fini. Alors, je vais aussi arrêter mon live. Je vais essayer de me poser tranquillement. De toute façon, même si je dors vers 17h, bah, c'est pas grave parce que voilà, voilà. C'est le week-end. Hein. C'est le week-end. La vie est belle. Demain, je ferai un live avec vous. Je vais vous mettre le titre tout à l'heure là. Donc, tout le monde sera invité demain. Tous les parents, panafricanisme sont invités demain sur le plateau. Tous. Vous venez me dire ce qu'on vous reproche. Hein? Vous êtes tous invités demain. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vais mettre le live et le titre aussi. Donc, tout le monde sera invité. Si on peut faire un live de 1 heure, ça me fera vraiment plaisir. Maximum 1h30, 2 heures, pas plus. Mais pour moi, 1 heure, ça sera bon pour que les autres puissent se voir, quoi. Bon, voilà. Je vous fais un bisou. Et puis, à tout à l'heure, hein, on se tamponne, je ne sais pas où. J'espère qu'il y aura un live ce soir quelque part où on va se tamponner. Pour
n'aura pas de prise de tête. Hein. Parce que vous savez, les prises de tête, ce n'est pas bon. Hein. Moi, je vous dis, hein, ce n'est pas bon du tout. Une comme moi, dans ma vie personnelle, hein, j'ai horreur de prise de tête. Je déteste ça. Parce que déjà, un, je ne sais pas parler. Voilà, donc, ce n'est pas mon point fort. Mon point fort, voilà. Donc, ce n'est pas bon les prises de tête. Mais de temps en temps, quand les gens te poussent à bout, bah, tu sors, tu le fais, tu tapes le poing sur la table. Hein. Il est stoppé. Voilà, tu tapes le poing sur la table. Voilà, tu n'as pas besoin de. Voilà. Ouais, voilà. Il y a une qui m'a forcé. Bah, voilà pourquoi je suis sortie. Parce que tu me pousses forcer une fois. Je peux laisser, mais deux fois, ça veut dire que tu insistes dans la bêtise. Et là, je dis stop. Bonjour, 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 Manuel est sur la notre série. Notre série à nous. Malusso de moi, nous on a une série, c'est Manuel est sur là. Nous, on ne se parle pas. Eh, mon Jésus, nous, on a l'esprit de partage. Nous, on a l'esprit de partage. Apprenez à partager vos jouets. Ah, je suis fatiguée. Je vais faire dodo. Mes yeux, même là, regardez mes yeux. Ouais, mes yeux sont fatigués. Ouais, non. Regardez. Ah, c'est bizarre. Mon père préféré n'a pas insisté que je mette les lunettes aujourd'hui. Il n'a pas fait attention, lui. Vous savez que les yeux sont à Olivier Tiana. Il a choisi les yeux. Il a choisi la bouche. Mais comme mais comme c'est le troisième, les hommes, le troisième H, il dit que dans les hommes, le troisième H. Il a choisi la bouche. Ouais. Après, coucou Jean-Paul. Un de nos frères Jean-Paul qui est là. Après, quelqu'un vient dire, salut mon frérot. Comment va notre femme, Daniela? Elle va bien? Vous voulez que vous mettez un petit pays? Non, je ne veux pas petit pays parce qu'il n'a pas signalé que j'avais mis la musique. Je ne veux même pas. Je vais écouter mon gars. J'adore mon gars. J'aime mon gars. Et pédaler, pédaler, pédaler. J'adore mon gars. J'aime mon gars. Ah, d'accord. Merci, mon frère. Merci. Merci. J'aime mon gars, j'adore mon gars. Salut Blaiseau, Blaiseau si beau. J'adore mon gars, j'aime mon gars. Pédaler. Vous avez la chance que je ne sais pas chanter. Si je savais chanter un peu, salut à tout le monde. Ah oui, mon Blaiseau, ta personne est belle. Toi, mon Dieu, je sais, mon père, ma personne, je sais. Alors pourquoi on ne peut pas me déstabiliser que, wow, tête perso, oh, l'école est mon dos, oh, je suis une femme sûre de moi-même. J'ai d'autres compétences. J'ai d'autres. Oui, j'ai d'autres compétences. Voilà. Oui, je sais gérer. Je suis capable de gérer une famille. Gérer le poids et les décisions quand mon homme ne parle pas. Il agit comme un chef d'État.
Nathalie. Marraine, t'as vu, non? Ah oui, hein? C'est pour ça qu'on va me saboter jusqu'à ce que les dragons fuient. Hein? Il t'arrive quoi, non? Emmanuel, ils sont là. Pourquoi tu pleures, il y a les cœurs? Hein? Chérie, à nous. Tu pleures pourquoi? Ne pleure pas, mon chéri. Tu n'as aucune raison de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive, comment? Ne pleure Ne pleure pas. Et ton œil, c'est la gestion, là. Donc, c'est moi la gestion. Qu'est-ce que ça? Voilà. N'y a rien du tout, ma Nathalie. T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'était seulement pour appeler à une grande dame qu'elle est une grande dame. N'ancre pas dans les choses qui la regardent pas. Elle n'a pas besoin que j'entre dans la boue avec elle. Voilà. C'est tout. Moi, on peut me traîner dans la boue, j'en ai rien à foutre, ma douceur, j'en ai rien à foutre, mais je ne veux pas qu'elle entre dans cette boue-là, c'est tout. Voilà. Voilà. Une grande dame doit rester une grande dame. Voilà. Et puis, c'est une personne que bon, j'ai beaucoup aimée, donc voilà. Mais quand il faut taper un point sur la table, je tape un point sur la table, je l'ai toujours dit. Hein. Moi, manière que moi j'ai été formatée, moi c'est une chose, moi je suis un enfant un peu, comment on dit, des grands-parents. Je suis comme je dis, je suis l'enfant des grands-parents. Donc, mes grands-parents m'ont éduqué comme un garçon. Comme un garçon. Donc, mon cerveau là, quand j'agis, j'agis comme un homme. Qui veut dire que si tu n'as si tu n'as pas, si tu n'as pas les couilles, tu ne peux pas avec moi. Pour avoir les sacrées couilles. Parce que quand j'agis, tu as l'impression que tu es face à un homme. À un homme. Voilà. Parce que mes grands-parents m'ont dit que tu es une femme. Et sache te défendre quand tu sais, parce que tu n'as pas un frère qui vient là. Je n'ai pas de grand frère. Je suis la fille aînée de ma maman. Donc, je n'ai pas de grand frère. J'ai une petite soeur. Donc, je devais défendre moi et ma petite soeur. Quelle que soit la personne qui est devant moi, que tu sois un homme, une femme, je te gère propre. Propre et sans pitié. Et je ne donne jamais le premier coup. Je te laisse que tu m'assommes. Bam! Bam, bam, bam. Occupe pas seulement tous ceux qui sont autour de toi. J'élimine un. Un. Quand tu restes alors seul, je t'assure que je t'assomme. C'est-à-dire que je finis avec toi comme un chien ou une chienne. Bam. Voilà. Quand vous venez nombreux, voilà. On occupait un par un. Un par un. C'est ça le plan. Un par un. Quand tu bagarres, tu élimines un par un. Tu prends pas tout le monde. Oh. C'est que tu vois qu'elle veut trop insister là. Tu cognes seulement sur elle. Tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes. Ouais. Voilà. Ouais, tu dois. Dans le coup, tu l'interdis, tu finis là, aussi n'agné. Là, tu finis avec. Oui. Blaiseau, c'est comme ça.
Avec ma grand-mère, ils ont le sang diamant. Ils avaient le sang diamant. Et dans leur famille, leur maman, ils avaient fait 3. Donc, chez nous, là, les femmes ont d'abord la force physique. Donc, ceux qui ont hérité la force physique, il y a moi, ma petite soeur. Ma petite soeur, elle a fait la lutte. Moi, je n'ai pas fait la lutte. Voilà. Elle a fait le karaté, moi, je n'ai pas fait. Parce que si je rajoutais encore le karaté là sur moi, là, les hommes allaient encore bien pleurer. L'homme allait encore bien pleurer. Donc, j'ai dit non, ça ne rajoute pas. De temps en temps, je n'ajoute pas. Donc, la force physique de nos grands-parents, de ma grand-mère, là, on a hérité ça. C'est-à-dire que ça n'a pas pris ma mère, mes tantes, mais par contre, ça a pris moi. Donc, ça a sauté une génération, ça a pris 2 générations. Il y a moi, ma soeur et mes filles. Pareil. Parce qu'on est, nous, on n'a pas de garçons, on n'a que des filles. Donc, quand tu viens là, pour être sûr, même mes filles, elles sont formatées. Déjà, moi, je suis matée. Moi, c'est formaté. Quand tu ne viens pas n'importe comment. Donc, moi, là, on ne me donne pas le pion. On ne me donne pas le pion. Parfois, je peux me te laisser croire que tu maîtrises. Oui, je peux te laisser croire que tu maîtrises. Mais quand je te donne le coup, là, je te dis, hein, je croyais maîtriser la femme, là, donc je ne la maîtrisais même pas. Hein. Voilà. Donc, faites attention aux gens qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Tu ne provoques pas. Mais ne me commence pas. Quand tu commences, je fais comme si je ne vois pas. Je fais comme si je n'entends pas. Je veux que j'ai mon mamie Wata qui se réveille, qui me donne un coup dans le cerveau. Là, bing! Mais c'est n'avait. Tu montes, tu descends. Le jour qu'elle signe sur toi, je signe. Un seul jour seulement, je signe, je finis avec toi. Bon. C'est parler de moi, mais j'aime pas parler de moi. Juste vous dire que je ne provoque pas. Mais je veux que mon Dieu là, je veux que mon Dieu là me gifle le cerveau là, bam! Ah, mais il va te gifler. Te gifle bien correctement. Bon, bisous. Bisous là-bas. J'ai fini, m'avait dormi. Le sommeil me souffle déjà. Passez un bon week-end. Je ne sais pas ce que j'ai à l'œil, mais depuis tout à l'heure, j'ai un signe là. Allez. Passez un bon moment et un bon week-end. Hein. Et puis tout à l'heure, je vais mettre le titre pour le live demain. D'accord? Allez, bisous, bye bye.